La recherche clinique est le volet de la médecine qui permet d'approfondir nos connaissances scientifiques et médicales, et surtout de découvrir de nouvelles alternatives, préventives, diagnostiques ou thérapeutiques, pour mieux nous soigner. Sensibilisés à cette médecine en marche lors de leur parcours hospitalo-universitaire, les médecins libéraux ont à cœur de poursuivre la recherche en établissements de santé privés et de proposer à leurs patients de participer à des études cliniques. S'installer dans l'une de nos cliniques, c'est aussi trouver la structure de recherche qui leur permettra de le faire. Le GCS Alma Viva Santé Recherche et Enseignement, c'est 47 établissements de santé privés, plus de 350 médecins-chercheurs. Sur 2019-2023, plus de 1200 publications et plus de 30 études cliniques externes menées sur nos établissements. Un comité scientifique qui évalue les projets de nos médecins-chercheurs déposés à la campagne annuelle d'appel à projets. Des projets d'études cliniques déployés sur nos établissements et des établissements extérieurs, publics et privés, où des patients peuvent y participer. Le but premier d'une structure de santé est de proposer une prise en charge de qualité pour les patients. Chaque patient doit pouvoir être inclus dans un essai thérapeutique, participer à des projets innovants de recherche et ainsi améliorer la prise en charge grâce aux avancées diagnostiques et thérapeutiques. De ce fait, il est important d'élargir la recherche clinique en secteur libéral qui prend en charge 35% des patients. Nombreux sont les médecins hospitaliers ayant rejoint le secteur privé qui poursuivent leur activité de recherche clinique. Ceci est à l'origine de la création des GCS, groupements de coordination sanitaire, organismes à but non lucratif qui permettent de réunir, mutualiser l'ensemble des établissements de santé d'un groupe afin de réunir les forces et mobiliser au plus grand nombre les différents acteurs. En 2023, 9 projets ont été présentés par les médecins, 6 avaient été retenus par le comité scientifique. Après étude, 3 seront portés par le GCS pour être mis en place et financés. Chaque acteur est indispensable à l'autre. Les médecins ont besoin du GCS pour nous aider pour les démarches administratives ainsi qu'à nous aider à financer nos projets. Les GCS ont besoin des idées des médecins et de collaboration afin qu'on puisse avancer tous ensemble. C'est à nous médecins de rester mobilisés afin de poursuivre ces projets de recherche pour nos patients.